Nous sommes avec Alexis, un des grands Manitou de ce TEDx Bordeaux. Il va pas aimer que je dise grand Manitou, mais en gros, un des organisateurs de TEDx Bordeaux. Alors comment tu te sens là, juste comme ça? Mieux. C'est pas encore complètement parfait, mais beaucoup mieux. Alors évidemment, en effet, grand Manitou, ça me plaît pas trop, parce que comme le thème le dit, ensemble, c'est aussi le travail d'une grande équipe. Et c'est ensemble qu'ils ont réussi à faire ça. Pour l'instant, on est à la moitié. Alors évidemment, je ne peux pas complètement dire que ça ne me fait pas penser à pression, tension et tout ça, mais les quelques retours extrêmement positifs que j'ai collectés là me font vraiment plaisir. Donc on va continuer, puis on va se faire cette deuxième session. Et quelle est cette idée folle qui t'a traversé l'esprit un jour de te dire, tiens, faisons des TED et faisons des TEDx ici à Bordeaux? Mais c'est ça, c'était l'idée, comment on fait pour faire des nouvelles rencontres, comment on détecte des nouvelles opportunités, c'est en croisant des personnes qui vivent dans des mondes différents, qui sont soit dans des grandes entreprises, soit des indépendants, qui font des métiers complètement différents. Et c'est à ces croisements que se crée l'innovation, que se crée une rencontre et boum, un choc. C'est-à-dire si on est dans un monde lisse où on rencontre que les mêmes personnes, il ne se passe rien. Donc ces carrefours, c'est important. Et TED, ça fait des années que je passe des vidéos TED à des copains pour dire « Regarde ça, regarde ça, ça vaut vraiment le coup. T'as un quart d'heure, regarde ça. » Et on se disait « Mais on pourrait le faire en français, ce serait génial. » Parce qu'en effet, je le passais à des gens, ils disaient « Ouais, mais je parle pas très bien anglais, c'est pas facile. » Et puis le faire en français, et puis autour de toi, quoi, avec les gens avec qui tu peux interagir, que tu peux vivre, que tu peux faire des choses, c'était un rêve un peu fou, quoi. Et en effet, c'est fou, mais c'est quand même sympa. Bon, et toute dernière question, parce qu'après, tu vas aller bosser. ensemble, c'est le thème. Si tu avais un adjectif ou un verbe, en tout cas un terme, pour évoquer ce thème, ce serait lequel? Alors, comme je me détends un peu, je ne vais pas dire stress. Parce que c'était un petit peu ça au départ. Moi, c'est coopérer, en fait. C'est construire des choses ensemble. Et c'est cette idée que... on peut dépasser sa bulle et que ça démultiplie nos forces de pouvoir se réunir et de faire des choses. Donc se réunir, coopérer, construire, pour moi, c'est ce qui va avec ensemble. Quand je pense à ensemble, je pense à ça. En tout cas, on n'a que des bons retours ici. Ça, on la voit, on l'a vu, que des bons retours. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Alexis.